Eh bien bonjour, il est l'heure de votre rendez-vous avec les amours. Et voici le couple du jour, Anne et Richard, 23 ans de mariage. Ils viennent de Vieux-Condé, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Sydney et Raphaël, Montagnac, le Languedoc-Roussillon avec eux. Sandrine et Visegno, c'est vos chrétiens et ce sont les pays de la Loire. Approchez, approchez, vente flash au rayon des amours. Pendant 30 minutes, il va vous vendre du rêve, du rire et du bonheur. Bruno Guillon. Bonjour. Waouh, une hola d'accueil. J'avais jamais eu la hola. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Me donnez pas de mauvaises habitudes parce qu'après, je vais la réclamer tous les jours. Et vous nous rappelez oh. Je trouve ça extraordinaire. Merci, bienvenue. Bienvenue sur France 2 et bienvenue. Alors, vous l'avez mal prononcé, Pascal, si je puis me permettre, c'est Visegno. Visegno. Oh, pardon. Ah là là, bravo. Visegno et Sandrine. Oui. Alors, je suis content de vous avoir tous les deux, mais je voudrais deux secondes m'arrêter sur vous, Visegno, puisque je le dis depuis le début de la semaine, nous fêtons les Outre-mer sur France Télévisions et vous êtes originaire de Wallis et Futuna. Vous me dites si je me trompe, mais en fait, c'est le territoire français le plus éloigné de la France, 16 000 km. Et le plus petit aussi. Et le plus petit. Alors, pour vous situer, c'est au milieu de l'océan Pacifique. On est à 3 000 km de Tahiti, à peu près. Voilà. Et ouais, 6 000 km de Los Angeles. Ça s'appelle Wallis et Futuna, parce que le capitaine qui a découvert cette île s'appelait Wallis. Et que du coup, ça aurait pu s'appeler Bernard et Futuna. Si c'était appelé Bernard, c'est forcément. Ça, mais il s'appelait Wallis. Et globalement, ça sonne mieux. C'est encore plus joli. Merci à tous les deux d'être là, en tout cas. Et applaudissements pour Cindy et Raphaël. Championne d'Europe de karaté. Oui, oui. Oh, oh. Hey. S'il te plaît, quoi. On ne dirait pas, hein. Championne de France, championne d'Europe, en équipe de France, ouais. Classe, vous avez fait les Jeux Olympiques. Et ça y est pas, le karaté encore. Pardon. C'est pas olympique, le karaté, ça va l'être en 2020. Le karaté, ça va être olympique que en pour 2020, 2020. Eh oui. Sinon, vous savez quoi? Vous l'auriez eu. Bah, bien sûr. Ah, vous aurez la médaille d'or des amours, en tout cas. Merci à vous deux d'être là. Oui, Raphaël, j'ai surtout parlé de votre chérie pour la présentation. Vous avez bien fait, j'ai l'habitude. Et, ben voilà. Et puis, il y a Anne et Richard avec nous également ce matin. Ouais. 32 ans, vous êtes ensemble, oui. 23 ans de mariage. Oui. Et vous avez d'abord été meilleure amie et vous vous êtes mis ensemble au bout de 10 ans. Oui. Oui. Et en fait, j'ai été à son mariage et il est venu à mon mariage. Ah. Voilà. Et donc, à quel moment il y a eu le split avec les mariés respectifs pour vous mettre ensemble? Après 10 ans. Après 10 ans. Vous avez fait une cassure franche? 10 ans d'amitié. Vraiment d'amitié pure. J'ai bien essayé 10 ans avant. Oui. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai conduite à son mariage, dans ma voiture. Et là, Et là, je lui ai dit, s'il te plaît, va pas avec lui. Moi, mais non. Si, si. Et j'étais prêt à partir, pas de mariage, on partait. Elle m'a dit... Je l'aime. Non, je l'aime, mon mari. Mais 10 ans après, je l'ai quand même eu. Mais c'est un scénario de film. On dirait une comédie romantique. Non, c'est longueur de temps. Valent mieux que force, voilà. Que rage. Voilà. Je sais. Mais là, vous savez quoi? Moi, je suis très impatient d'attaquer cette émission. Alors, on y va avec la première manche. Un petit tour sur vos métiers, parce que je sais que les téléspectateurs des Amours aiment bien savoir le milieu socio-professionnel de nos invités. Richard, vous êtes retraité, mais vous avez travaillé dans l'automobile. Vous aviez un magasin. Entre autres, oui. Par rapport à l'auto. Raphaël, directeur de programme d'immobilier. C'est ça, dans la promotion immobilière. Et vous, Visegno, vous êtes militaire. Je suis militaire. Quel corps d'armée? Marine, terre, armée de terre. Le génie et l'armée de terre. Génie militaire, voilà. Dans l'armée de terre. Eh bien, faites preuve de génie. Pour vos réponses aux questions que je vais vous poser, et notamment la première. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Lorsque vous avez rencontré votre chérie, vous vous êtes dit, l'ennui avec cette fille, c'est qu'elle est... Elle est quoi? Moi, je vais dire que ma première impression, que c'est était trop, comment on dit, trop guindée, trop apprêtée, oui. Volonté de son futur mari, talons hauts, super maquillée, etc. Ça m'a un peu gêné. Ah, mais ça vous a gêné les talons hauts parce que... Il y a un peu de ça. D'accord, très bien. Il y a un peu de ça. Elle était un peu trop guindée. Voilà. Très bien. Raphaël. Et moi, c'est la première fois que je l'ai vue, donc c'était juste qu'elle était pas célibataire. Ah. Elle était déjà avec quelqu'un. Ça, c'est un vrai défaut, ça. On va pas se mentir. C'est un vrai problème.
Vous l'avez vu où la première fois? La première fois que je l'ai rencontré, en fait, je me suis greffé dans une soirée de personnes que je ne connaissais pas. Très bien. Et en fait, elle était avec l'organisateur de la soirée. Uh-huh. Et donc, effectivement, quand je l'ai vu, le coup de foudre, ouais, comme on peut le dire. Et là, la personne avec qui j'étais, mon collègue, m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas le premier à partir avec une de ses copines. » Et on va dire, rapidement après, on était ensemble. Voilà. Bien, c'est noté. Et vous, Vicessio, l'ennui avec cette fille, c'est qu'elle est quoi? Enfin, c'est qu'elle était gendarme, en fait. Alors, justement, non, mais vous allez voir, parce que moi, je suis un petit peu au courant de l'histoire. L'histoire est géniale. Ça se passe où? Ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Vous grillez un feu rouge. Voilà. Et elle vous arrête. Elle m'arrête. Sur le coup, moi, comme tout individu qui se fait arrêter, voilà. On flippe un peu. C'est on ça. Se dit, mince, je vais me faire aligner. Le permis. Voilà, point en moins, amende, permis. Voilà. Et là, elle a une phrase géniale. Elle vous dit quoi? Je vous mets un PV ou je vous écris mon numéro de téléphone. C'est pas banal. C'est génial. C'est génial. Et du coup, vous avez choisi le numéro. Mais au début, j'y croyais pas trop. Oui. Parce que je pensais qu'elle se moquait. Qu'elle se payait un peu ma tête. Oui. Mais du coup, je lui ai redemandé. Oui. Si c'était vrai. Elle a relancé. Du coup, Bruno. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Bien sûr. Mais rassurez-moi. Le numéro, vous l'avez bien pris parce qu'elle ne vous laissait pas indifférent. Ça n'a aucun rapport sur le fait que vous n'auriez pas de PV. Voilà. Ah oui, quand même, oui, ça me rassure. Aussi. Les deux, on va dire. Les deux. Les deux. Mais bon, maintenant, ça fait 4 ans que ça dure. Donc l'ennui, c'était qu'elle était gendarme. Elle n'est plus gendarme aujourd'hui? Non, mais elle est toujours réserviste. Elle est toujours réserviste. Raphaël, deuxième question. Vous êtes à la maison avec un pote à qui vous dites « Ici, c'est moi le patron ». Or, quand votre compagne arrive, elle vous lance d'un ton très autoritaire. T'as rangé le garage? Devant votre ami, vous vous imposez. Eh oh! Faut pas que je suis occupé, non? Ou alors, vous êtes gêné. Ouais, enfin, ça marche pas à tous les coups, hein, face à votre pote. Ou alors, vous riez jaune. Elle dit ça pour me taquiner, hein? Pas vrai, chérie, hein, elle adore me taquiner, hein? Ah, je connais son art pour le coup de pied retourné. Et je dirais qu'elle est... J'y ris très, très jaune. Vous riez jaune? Ah, très jaune. Vicessio? On va partir sur Origine. Vous riez jaune? Voilà. Richard? Me taquiner. Mais vous riez jaune? Dis ça pour me taquiner. Te casse pas, Popeye, va, j'ai compris. Troisième question, Vicessio. She may be the face I can't forget. Le fait que vous n'ayez jamais trompé votre chérie, elle en mettrait sa tête à couper? Elle en est, disons, à 90% persuadée? Ou elle a de sérieuses raisons d'en douter? Je dois dire, voilà, connaissant mon passé, vu que du premier coup d'œil... Je l'ai aussi, je l'ai trouvée vraiment belle. Ouais. Du coup, en fait... elle en mettrait sa tête à couper, que vous ne l'avez jamais trompée? Ouais, elle en mettrait... Sa tête à couper. Malgré mon passé d'avant, elle en mettrait... Oui, mais après, ouais, vous repartez à 1.0 avec votre chérie, on gomme le passé, il y a prescription. C'est ça. Elle se dit que depuis que vous êtes ensemble, pas de risque. Richard? J'ai l'impression qu'on n'est pas aussi catégorique. Alors, on est plus vers les deux dernières. Ah, c'est-à-dire, elle en est persuadée à 90% ou elle a de sérieuses raisons d'en douter? Ah ouais. Elle a de sérieuses raisons d'en douter. Alors, c'est un sujet qu'on peut aborder, elle est au courant ou pas? Oh, bien sûr. Ah oui? Ah, bien sûr. Ça dure combien de temps? On peut le dire? Ben oui, c'est vous qui le dites. Hein. 3 ans. Bravo. Ah oui, non, on est plus sur un coup de canif dans le contrat. On est, non. Ouais, c'est même plus une tronçonneuse, hein, oui. Mais pour revenir, de toute manière. Oui. Que quelle erreur. Oui. Enfin, c'est facile de le dire après 3 ans, quand même, Richard. Oui, voilà. Là, ça va. En plateau, à la télé. Moi, je suis pas là pour bouger. On va voir comment elle est par rapport à ça, Anne, par rapport à la réponse. Et vous, Raphaël?
J'ai le sang chaud, mais ma tête a coupé. Ma tête a coupé. Ah ben, je suis tout seul. Hein. C'est pas tant la vôtre, c'est la sienne. Hein, c'est la sienne, hein, oui. Ah, c'est la sienne aussi, mais on coupe les deux. D'accord. Voilà, pas de risque. Pas de risque. Droit comme un I. Droit comme un I. Droit comme un... Grec. Y. Comme un Y. Y. Allez, vos chéris reviennent. Sandrine, lorsque vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qu'il s'est dit, Vicessio ? Il s'est dit, l'ennui avec cette fille, c'est qu'elle est... Mais elle est quoi ? Elle a du caractère ? Mais non ! Ah oui. C'est oui. Qu'elle est gendarme. Bon, cela dit, bien caractère sûr. Et gendarme, ça peut aller ensemble. Oui. Et Sandrine ? Oui ? Vous êtes culottée quand même ? Le jour de la rencontre, le c'est soit le PV, soit mon numéro de téléphone. Oui. Bah oui. À qui tente rien n'a rien. Mais attendez, rassurez-moi, vous l'avez fait parce que c'était une session, vous l'avez pas fait à toutes les infractions. Non. Alors hop, un PV ou mon numéro de téléphone. C'est dingue comme histoire. Ouais, c'est dingue. Mais vous étiez, il n'y avait pas votre supérieur hiérarchique. Non, non, non. On était deux, mais personne n'a rien vu. J'ai fait ça. Bon, nickel. Et puis bah, vous avez bien fait puisque bah, voilà. Regardez, hop. Voilà, ça fait 4 ans. Et ça dure. Ça dure. Cindy. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, Raphaël? Je pense qu'il s'est dit waouh, cette fille, mais elle est inaccessible. Parce que j'étais en couple avec un copain de son copain. Donc, il est rentré dans la bande d'amis. Ouais. Et la première fois qu'il m'a vue, il s'est dit waouh, cette fille, mais voilà. Elle est prise. Elle est prise, quoi. Raphaël, il fait ouais, bon. C'était pour le prise. Ouais, c'était pour aller prise, elle est prise. Anne. Mais je vais dire la même chose. En fait, je suis rentrée, il avait un magasin d'accessoires automobiles. Je suis rentrée dans le magasin pour un sponsor pour mon mari. Je suis rentrée avec mon mari dans le magasin automobile. Mmh. Et puis, je crois qu'il a eu le coup de foudre pour moi. Mais il s'est dit, zut, elle est en couple, donc elle n'est pas accessible. Mais voilà, c'est... après 10 ans, on s'est quand même mis ensemble. En fait, il m'a conduit à mon mariage. Oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est le jour de mon mariage, il m'a demandé de vivre avec lui et de quitter mon futur mari que j'allais épouser une heure après. Et voilà. Richard. Comme quoi, ce que j'ai dit. Oui. Mais. Mais là... Ah mais c'est pareil. Bah non. Trop gardé en couple, c'est pas tout à fait la même chose. Cindy, votre chéri est à la maison avec un pote à qui il dit « Ici, c'est moi le patron ». Or, quand vous arrivez, vous lui lancez d'un ton très autoritaire « T'as rangé le garage ?» Et ça, il réagit comment ? Devant son ami. Il rit jaune. Il dit ça pour me taquiner. Hein. Chéri, tu dis ça pour me taquiner. Ou alors, il est gêné. Eh, enfin bon, ça ne marche pas à tous les coups. Ou alors, il s'impose. Oh, hé, tu vois pas que je suis occupé, non ? Je pense que devant le copain, il ferait un peu le malin. Il fait le malin ? Ouais. Il fait, tu vois pas que je suis occupé ? Tu vois pas que je suis occupé, là. Il s'impose ? Il s'impose. Ah, mais devant le copain. Parce ouais, que, parce que dans la vraie vie... Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Hein. Ça file. Hein. Voilà, ça file. Bah, en étant championne d'Europe de karaté, bouge pas ! Hop là ! Raphaël ! Il rit jaune. Bah, tu ris jaune. Hey, tu me fais manquer. Je fais le canard, je vais ranger le garage. Anne. Richard, alors, il est comment? Oh, il fait le malin, lui. Il fait le malin? Oh, oui, il fait le il malin. S'impose. Il s'impose. Ouais, tu vois pas que je suis occupé, là. Oh, oui, ça suffit. Et dis donc, et oh. Oh, ouais. Richard. On est bien parti. Sandrine. J'hésite entre deux. Dites-moi. Soit il fait le malin, soit il rit jaune. Mais je dirais, il rit jaune. Vicessio, il nous a dit, je ris jaune. Et ça marque. Anne, le fait que votre époux ne vous ait jamais, j'ai bien dit jamais, ne vous ait jamais trompé. Oh. Attendez, c'est pas fini. Bah, attendez, j'ai des propositions.
Vous en êtes, disons, à 90% persuadé. Ou vous en mettriez votre tête à couper, ou vous avez de sérieuses raisons d'en douter. Sérieuses raisons d'en douter. Sans nul doute. Sans nul doute. Hein, sûr sans et nul certain. Doute. Certaine. Richard. Vous voyez ce qui est génial dans cette émission ? C'est ça. Anne est au courant, lui nous a expliqué la situation. À l'arrivée, oui, je t'ai trompé, ça fait marquer des points, lui fait un bisou. Voilà. Et elle est morte de rire. Votre femme rentre chez vous, vous êtes dans le lit avec une autre nana. Et si on faisait les amours ? Dites-vous que sur le coup, oui, ça va barder, mais après, ça peut vous rapporter 5 ou 10 points, une question. Et là, vous savez quoi, d'ailleurs, même on devrait remercier la personne en disant « Ah, bah tu m'as trompé, on va quand pouvoir même, faire quand les même, amours. » Bah, non, peut-être que j'en fais trop, vous me dites, hein, vraiment. Sandrine ? À 90% persuadée. Ah, donc il y a 10% quand même où on est sur une... selon non, les gendarmes, c'est... quoi. C'est ce qui correspondrait, je suis sûre, à... bah, pour moi, à 100% que je ne suis pas trompée. Bah, mais là, je vous dis à 90%. Oui, mais les autres, ça ne correspond pas. Bah, ou alors, vous en mettriez votre tête à couper, ça veut dire qu'il ne vous a jamais trompé. Ah bah voilà, celle-là. Et bien celle-là. Celle-là. Là. Oui, je n'ai pas bien compris. Mais il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Vicessio. Vicessio. Oui. Bah oui. T'as eu de la chance. Hein. J'avais pas compris. Sydney. Alors moi, je suis sûre à 300%, je mettrai ma tête à couper. Ah mince, Raphaël. T'as vu ? Ah non, c'est pas possible qu'il ait mis un truc. La tête, l'espace de 2 secondes. Sinon, j'ai coupé la sienne, je vous le dis. Oui, bah, elle tombait direct, la tête, oui, j'ai bien vu. Bon, un point sur les scores. 5 pour les rouges, 10 pour les jaunes. Non, 10 pour les bleus, 15 pour les jaunes. La deuxième manche, dans quelques instants, avec vous, mesdames, pour l'instant. On parle des prochains castings des Amours, Pascal. Est-ce qu'on va, Wallis et Futuna ? Alors, malheureusement, c'est un peu loin, Bruno. On aimerait bien. Parce que moi, je serais venu vous accompagner, hein, vraiment. Ben oui. Alors, vous savez que s'il y a moyen, avec les castings par la webcam, là, c'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez passer les castings depuis chez vous, même à Wallis et Futuna. Et avec la webcam, c'est toute l'année. Vous pouvez également, si vous êtes à Paris, en région parisienne, eh bien, passer les castings des Amours. On vous attend. Vous allez sur notre site France.tv et vous vous inscrivez. Anne, on y va avec votre première question. Cette fois-là, votre chérie a eu cette délicate attention que vous avez particulièrement appréciée. De quoi s'agit-il ? Je dirais en fait, j'ai passé mon permis de conduire très très tard, à 45 ans. Il m'a offert une petite voiture. Et en fait, nous descendions en vacances. Et on s'est arrêté dans un relais et château près de Lyon. Et il a fait faire un gâteau d'anniversaire, un gâteau. Spécial, avec dessus l'effigie de la voiture qu'il m'avait offerte. Oh, c'est gentil, ça. Voilà. C'est une belle attention. Il avait quelque chose à se faire pardonner. Il a toujours quelque chose à se faire pardonner, de toute façon. Cindy. Alors moi, j'hésite entre deux. La première, mais ça remonte à 6 ans, parce que c'était sa demande en mariage. Ah bah, il n'a pas une mémoire qui va au-dessus de 6 ans. Non, il faut trop lui en demander. Ah oui ? Par contre, la dernière, ça remonte à Noël, vu qu'il travaille beaucoup et qu'il était beaucoup en déplacement, on ne se voyait vraiment pas beaucoup. Il a pris l'initiative avec les enfants de nous organiser un petit séjour avec les petits dans un parc d'attractions pour passer Noël là-bas. D'accord. Voilà, donc je pencherai plus pour ça. Très bien. Sandrine ? Je dirais la demande en mariage. Aussi, parce que je ne m'attendais pas du tout à l'endroit où il l'a fait, en fait. Il l'a fait où ? À l'église Sainte-Clotilde, sur Paris. Oui. On était en visite à Paris, on a visité les églises, les monuments. Et puis, ils sont très chrétiens, à Wallis et Futuna, très catholiques. Et du coup, il a fait sa demande... Devant l'autel ? Devant la Vierge Marie, voilà, comme témoin. Ah oui, tout un symbole. Voilà, c'est ça, tout un symbole. Et vous avez dit oui tout de suite ? Bien sûr. Normal. Deuxième question, Cindy. Eh bien, justement, parlons mariage. Le jour de votre mariage, vous auriez été folle furieuse si le matin même, votre mari s'était réveillé vaseux après avoir fait la fête toute la nuit avec ses potes. Ou s'il avait fait le bouffon devant le maire répondant non au lieu de oui. Ou si le soir, dans la chambre... Il n'avait pas été fichu
de vous faire le câlin, le fameux câlin de la nuit de noces. J'aurais dit la première, le vaseux. La première ? Ouais, s'il avait fait la soirée. Ça n'a pas été le cas ? Non, ah non, non. Ah non, ça, je peux vous dire que. À carreau. À carreau. Sandrine. Le vaseux aussi. Le vaseux aussi, pareil, ah oui. Il a été droit, Vicessio. Ah oui, oui, parce que sinon, là, j'aurais dit non. Là, il prenait son PV, je peux vous le dire. Je pense. Anne. Je dirais pareil, le vaseux. Le vaseux, pareil, il a été nickel. Il a été nickel. Très bien. La troisième question, c'est la question bonus. Elle vaudra 15 points. Au lit, quel est le principal point commun entre votre chérie et l'homme de Cro-Magnon ? Il ne s'attarde pas sur les préliminaires. Il grogne quand il est content. Ou alors il fait des étincelles. Il fait des étincelles. Il fait des étincelles. Bien sûr. Anne. Sans hésitation, il fait des étincelles. Très bien. Cindy. Sans hésitation, il fait des étincelles. Eh bien, très bien. Avec toutes ces étincelles, ils vont nous mettre le feu là pour la dernière partie de l'émission. Vos chéris reviennent. Vicessio, cette fois-là, vous avez eu cette délicate attention que votre chérie a particulièrement appréciée. De quoi s'agit-il ? Ben moi, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ma demande en mariage. Demande en mariage, ouais. Église Sainte-Clotilde, wow. Paris, devant la Vierge, petit halo de lumière. Raphaël. J'hésite entre deux. C'est à la fois ma demande en mariage, la première, enfin la première, la seule. Et la deuxième, le soir, je lui ai dit, chérie, promis, ce soir, je m'occupe des enfants. Non, c'est pas vrai du tout. C'est, à mon avis, c'est la demande en mariage. Demande en mariage. Demande en mariage. C'était comment ? Il va chercher le panneau. Alors, c'est, si jamais vous donniez les réponses et que vous les écriviez, bah, le jeu ne sert plus à rien. Non, le parc d'attractions à Noël. Je le fais exprès, mais c'est pas possible. Pourtant, j'en ai parlé de la demande en mariage, mais je pensais pas qu'il allait remonter jusqu'à la demande en mariage. C'était le dernier. Non, on n'a pas dit le dernier. On a dit celui qui vous a le plus apprécié. C'est vous, c'est celui qui m'a le plus apprécié. Ah oui. Parce que la demande en mariage, c'est vrai, vous aviez apprécié moyen. Ouais, mais ça remonte à plus longtemps. Donc, là, on en avait vraiment besoin. C'était vraiment. Voilà. Raphaël, faites un effort. Comment vous faites pour avoir tout le temps tort comme ça ? C'est fou, ça, hein ? Mettez-y un peu du monde. Ben oui ! Bon, allez. Alors, du côté de Richard. Si ça m'a marqué des points. Il y a quelque chose, je crois, qui lui a plu beaucoup. C'est comme elle aime beaucoup les chats. Mm-hmm. C'est en fait... Bon, ben voilà, c'est déjà raté. Vous réagissez tout de suite. Peut-être qu'il aurait pu partir sur autre chose. Là, du coup, je vais être obligé de prendre cette réponse. Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec le chat ? Voilà, c'est celle-là que je prends. C'est le cadeau que je lui ai fait de son premier chat. Anne, le panneau. Tu peux taper. La voiture sur le gâteau. Eh ben, elle se prive pas, d'ailleurs. Deuxième Absolument. Question, Raphaël. Le jour de votre mariage, votre chérie aurait été folle furieuse si le matin même, vous vous étiez réveillé vaseux après avoir fait la fête toute la nuit avec vos potes, ou si vous aviez fait le bouffon devant le maire en disant non avant de répondre oui sur les consentements. Ou si le soir, dans la chambre, vous n'aviez pas été capable de lui offrir une première nuit magnifique. Nous parlons débats amoureux, bien sûr. Évidemment. J'ai envie de dire quand même qu'il est important, le soir du mariage, d'assurer comme il se doit. Mm-hmm. Donc j'ai envie de dire... La troisième. La troisième, il faut assurer. J'ai l'impression qu'on se connaît pas en fait. Moi, ce que je dis, c'est que vous avez de la fumée qui sort des oreilles. Là, faites attention quand même. J'étais sûr. J'ai hésité. J'ai hésité. Tu sais que je supporte pas ça. Pourquoi tu... Je pars là, ça. On vous prête un kimono ? Comment on fait ? Mais en fait, Pascal. Oui, on est sur la manche précédente. Non, elle me taquine. Hein. Ouais. C'est moi qui porte la culotte, elle me fait une vanne. Richard. Si je m'étais présenté légèrement vaseux, je crois qu'elle n'aurait pas apprécié. Elle n'aurait pas apprécié ? Non. La fête la veille avec les potes et pas dans le... Eh bien, Anne, oui, c'est une bonne réponse. Vicessio.
je partirai aussi comme l'ancien vase. Sur le côté vaisseux. Oui, mais alors, hey, Richard, nous autres métropolitains, ça peut nous vexer, oui. Mais sachez que dans les territoires d'outre-mer, l'ancien, c'est une forme de respect. Respect. Ah, oui, c'est évidemment, bien autant sûr, pour moi. C'est un signe de respect. Vous incarnez la sagesse de par votre âge. Et c'est vrai qu'on dit l'ancien. Et heureusement que j'étais là, c'est sûr, pour vous sauver la vie. Bah, sinon, il m'en sauver, à la fin. C'est ça. Vaseux, c'est en effet une bonne réponse. Ça vous place en tête, les bleus avec 25 points devant les jaunes qui en ont 15, 10 pour les rouges. Mais comme la question bonus vaut 15 points, le suspense reste entier. Qui va gagner ? Réponse juste après ça. Alors l'ancien, au lit. Voyez, venant de moi, du coup, ça serait un peu moins sympathique, mais je ne le pense pas. Richard, Oli, quel est votre principal point commun avec l'homme de Cro-Magnon, selon Anne ? Vous grognez quand vous êtes content ? Vous ne vous attardez pas sur les préliminaires ? Ou vous faites des étincelles ? Oh, allez, on va être prétentieux, je fais des étincelles. Vous faites des étincelles, Anne ? Oui ! Raphaël, à mon avis, je dis ça pour vous, ça serait quand même bien que vous ayez la bonne réponse. Parce que là, sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais faire des étincelles aussi. Faites des étincelles, Cindy, oui, ça marche. Le bisou. Oui, c'est sûr. Je lui en fais voir aussi des étincelles. Les étincelles, Sandrine. Vous êtes les amours du jour. Cindy, Raphaël, Anne, Richard, c'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin, vraiment. On vous offre ces cadeaux. Réalisez vos soupes comme un chef, en toute simplicité avec EasyChef Blendy One, le blender chauffant. Vicessio, Sandrine, c'est votre finale, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Et bon, on va voir ça tout de suite. Sandrine, Vicessio connaît-il top, le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Salade de poisson. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petite? Oui. Didine. Votre chanson française préférée? Oui. Passe. La femme sportive que vous admirez le plus? Non. Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Internet? Non. Votre confiture préférée? Oui. À la banane. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. L'araignée. Le genre de sous-vêtements que vous détestez porter? Non. Le type de programme que vous détestez le plus à la télé? Non. Votre instrument de musique préféré? Oui. L'accordéon. Le sport que vous détesteriez pratiquer? Non. La couleur de la coque de votre portable? Oui. Jaune. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Non. L'année de naissance de votre père? Oui. 43. 1943. Mais non, 48. C'était 48. Et là, c'est trop l'erreur. Ouais. Bon, Sandrine, c'est sûr, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Sandrine et Vicessio, passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Un vrai plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci Vicessio. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Nagui. Ciao.